Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. Joyeuse Pâques à tous les croyants. Bienvenue dans cette rétrospective de l'essentiel de l'actualité qui a marqué la semaine écoulée. À la une de cette semaine écoulée se trouvaient des porte-paroles des différentes institutions du pays qui ont répondu vendredi à partir de la province Carousse aux questions des journalistes et la population. Dans cette rétrospective, on reviendra principalement sur la question du projet de code électoral pour les prochaines élections et la carte biométrique qui sera utilisée. Et les représentants des confessions religieuses demandent à la commission Vérité et Réconciliation d'aider les familles victimes des crises de 1972 et 1973 à avoir droit à leurs biens spoliés, une restitution qui n'est généralement pas difficile après vérification, selon un expert en droit en justice transitionnelle. Et le recensement des étrangers a été organisé au Burundi à partir du 26 mars, comme l'avait annoncé le ministère de l'Intérieur. Et ces derniers ont déploré la lenteur dans cette opération suite à un nombre réduit des agents recenseurs. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Le projet de code électoral pour les prochaines élections qui vont se tenir au Burundi très bientôt se trouve pour le moment sur la table des institutions judiciaires après élaboration par le ministère de l'Intérieur. Précision du porte-parole de ce ministère, c'était vendredi au cours de l'émission publique qui a été animée par les porte-parole à partir de la province Karoussi et concernant la carte biométrique qui sera utilisée lors de ces élections. Pierre Ngurikiye a indiqué qu'elle sera mise en place cette année après le recensement général de la population qui sera clôturé au mois d'août cette année. Suivez Pierre Ngurikiye, traduit en français par Jean Bosco Nduwimana. Pour la question du nouveau code électoral, le ministère de l'Intérieur a élaboré et soumis son projet aux échelons supérieurs de la législature. Pour ce qui est de la carte d'identité biométrique, dont on a dit que c'est elle que devront présenter les électeurs, elle est en train d'être préparée parallèlement au recensement de la population en cours. À son terme, au mois d'août prochain, certaines données collectées au cours de ce recensement seront prise en compte dans la confection de cette carte d'identité biométrique en vue d'être utilisée pendant les prochaines élections. C'était Pierre Ngurikiye, il est porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique au Burundi. Et la commission Vérité et Réconciliation CVR est en train de mener des enquêtes profondes pour que les biens spoliés aux familles victimes des crises de 1972 et 1973 leur soient restitués en bonne et due forme. Il s'agit là de l'évaluation faite par Clément Noé Niziza, vice-président de la CVR. C'était lundi au cours d'une réunion de présentation du rapport de cette commission représentant des confessions religieuses au Burundi. Et ces derniers demandent au commissaire de la dite commission de faire un travail réconciliant les Burundais. Le point avec Évariste Nzikobanyanga. Au cours de cette présentation des réalisations de la commission Vérité et Réconciliation à l'endroit des représentants des confessions religieuses, ça a été une occasion pour ces derniers de saluer le travail de cette commission. Mais parmi les préoccupations figure la question de savoir à quand la restitution des biens spoliés pendant les crises de 1972 et 1973 d'Ouimana Laurent et parmi le représentant des confessions religieuses préoccupé par cette question. Le sœur d'Eric Ndaiziga, qui fut le ministre des Travaux publics, demande toujours si le gouvernement peut leur restituer la parcelle de là où se trouve le ministère de la Santé publique. Ces enfants sont des métis, ils sont aux États-Unis. C'est l'une des parcelles spoliées à des gens qu'on appelait Abamenja. La CVR dit comprendre les préoccupations de ces représentants des confessions religieuses. Le commissaire et vice-président de cette commission, Clément Noé Ninzidza,
tranquillise ceux qui ont été spoliés dans les années 1972 et 1973. Il signale que des enquêtes sont en cours pour que les biens spoliés soient restitués. Il y a des enquêtes qu'on est en train de mener pour savoir le sort des biens spoliés. Il y a eu une loi du président de la République qui portait restitution des biens spoliés, mais il y a ceux qui n'ont pas obtempéré. Dans ces enquêtes, des gens viendront nous montrer là où sont leurs biens spoliés pour que ceux qui sont dans les mains de la population ainsi que ceux dans les mains de l'État soient restitués. Ceux qui ont représenté les confessions religieuses dans cette présentation des activités réalisées par la CVR souhaitent au commissaire de cette dernière d'accomplir une mission qui ne replonge pas le Burundi dans des crises qu'elle a connues dans le passé. Évariste Nzikobanya Ngaye a réaction. La restitution des biens matériels n'est généralement pas difficile après vérification. Au contraire, l'État met en place un fonds national destiné à la construction de monuments comme réparation symbolique. Il s'agit là des explications du professeur d'université et expert en justice transitionnelle Jean Bosco Harerimana. Concernant la terre et les autres biens, les maisons, les voitures ou autres biens matériels visibles, l'idéal c'est la restitution. Cela étant, si ça a été accaparé par le gouvernement ou une de ses agences et qu'il y a eu beaucoup d'investissements, eh bien, il est d'usage d'entrer en négociation avec le gouvernement, avec le spoliateur. Et donc de s'entendre sur la valeur réelle, et donc d'être restitué, soit avec une parcelle d'une même valeur, ou bien la restitution en liquide, donc une somme d'argent équivalente à la valeur réelle de la parcelle de la maison en question. Vous suivez toujours la rétrospective de l'actualité qui a marqué la semaine écoulée de la justice transitionnelle au commerce. Les habitants de la capitale Bujumbura s'inquiète de la nouvelle société pétrolière du Burundi. Ceux qui se sont exprimés sous nos caméras estiment que le gouvernement devrait plutôt trouver une solution à la carence de devises. Et ces consommateurs attendent néanmoins de voir si cette société pourra assurer régulièrement l'approvisionnement du carburant vu l'ampleur de sa carence ces dernières années suivies. Ce que nous attendons de cette société, c'est que nous puissions avoir le carburant. Mais est-ce que nous sommes sûrs et certains que cette société va nous amener ce carburant? Parce que à mon niveau, je ne pense pas que ce soit un problème de carburant. C'est un problème qui est quelque part. Donc ça veut dire que moi, je pense que c'est un problème de devise. Le gouvernement a créé plusieurs associations comme la Régie des eaux pour l'importation du carburant, mais cela n'a pas duré très longtemps. Espérons que cette société fera mieux. Des personnes n'ont pas les mêmes facilités pour accéder au marché du carburant. Cela peut être possible pour une personne, ce qui n'est pas le cas pour une autre. Moi, je pense que l'on devrait donner la chance à celui qui en a les potentialités pour que nous, le peuple, puissions pousser un offre de soulagement. Il faut chercher la solution au problème majeur. Le problème majeur, je pense, à mon niveau, je pense que ce sont les devises. Et sur ce, l'expert en économie, Diomède Ninhele, se trouve que la décision du gouvernement de créer une nouvelle société pétrolière chargée d'importer le carburant peut avoir des répercussions sur le trésor public, comme dans d'autres pays qui en ont fait la mer. Expérience dans son analyse, cet expert en économie dit que le risque pour le gouvernement est de perdre les impôts et taxes qu'il collectait chez les importateurs qui importaient ces produits pétroliers. Par rapport à la question si le gouvernement a pris une bonne mesure de créer une société Sopebu à concurrence de plus de 120 milliards, est-ce que c'est une bonne mesure? Bon,
À la première occasion, c'est difficile de dire que c'est une bonne mesure parce que depuis la nuit des temps, le gouvernement a toujours été un mauvais commerçant. Ce n'est pas pour le cas du Burundi seulement, mais pour d'autres pays, on a toujours vu que le gouvernement n'est pas souvent à mesure de faire un bon commerce, surtout de faire une bonne concurrence. Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que même dans le passé, le Burundi a toujours pris la décision de privatiser les sociétés, y compris les sociétés pétrolières. Aujourd'hui, alors, je ne comprends pas quelle motivation pour effectivement, encore une fois, reprendre les mauvaises habitudes de l'État de faire le commerce. Parce que vous vous souvenez que même l'État avait créé une société SCEP pour privatiser les sociétés de l'État. Et d'ailleurs, vous savez que maintenant, même les sociétés gérées par l'État souvent sont mal gérées. Je crois que le président de la République ne cesse de le dire. Aujourd'hui, alors, si cette société est créée, on se demande comment, parce que je sais que maintenant, ils percevaient beaucoup d'argent au niveau des taxes et impôts par rapport à ce produit. Alors, maintenant, alors, il va renoncer à la perception des taxes, mais aussi à l'impôt, alors que ces taxes et impôts contribuaient énormément aux autres secteurs, notamment l'éducation, la santé et d'autres. Alors maintenant, je pense que le gouvernement devrait beaucoup plus tourner vers la construction des infrastructures qui manquent, notamment les routes. Parce que si on parle que maintenant on consomme beaucoup de carburant, c'est parce que les routes sont mal bâties, sont endommagées. Et pour clore cette rétrospective de la semaine, le recensement des étrangers réfugiés résidant sur le sol burundais a été organisé depuis le 26 mars. Et comme l'avait annoncé le ministère de l'Intérieur, certains de ces étrangers vivant sur le sol burundais disent que le délai de 3 jours de recensement ne suffisait pas. Ils expliquaient que le nombre des gens recensés était réduit et proposaient une augmentation de son nombre des agents recenseurs pour enfin augmenter le rythme de cette opération, comme l'a constaté Jean-Marie Mayonga. Les gens sont nombreux, nombreux. Sont nombreux à cause de l'engouement. Les 3 jours là, ça fait à ce qu'il y ait des désordres. Depuis le début de ce recensement, vraiment, j'ai trouvé que nous sommes beaucoup de réfugiés. Ce sont certains des étrangers vivant au Burundi qui se font recenser dans la zone d'Obwiza, en mairie de Bujumbura. Ils signalent que le travail ne marche pas vite suite au petit nombre des agents recenseurs. Bon, selon moi, l'activité vraiment déroulé en tortue, disons ça en tortue, parce que ça fait 3 jours que nous sommes ici, selon l'ordre donné lancé par le ministère de l'Intérieur. Depuis le 26, le 27, aujourd'hui le 28, nous sommes toujours ici, mais un bon nombre des étrangers augmentent toujours ici, augmentent toujours. Je peux dire que les procédures, vraiment, c'est en tortue. Ramazan Iriani Tundula, président du comité central des réfugiés et demandeurs d'asile, trouve que dans les zones d'Obwiza et Kamenge, il y a un grand nombre de réfugiés. Il indique que le prolongement de 2 jours permettra à tous ceux qui sont en retard de se rattraper. Et quand on avait commencé, normalement, la situation était quand même catastrophique. Mais après les 3 jours ici, c'est le 3e jour que le ministre avait dénoncé qu'on va faire l'activité de recensement pendant 3 jours. Maintenant, nous trouvons qu'il y a quand même, par exemple, dans la zone de Bouiza, il y a beaucoup de réfugiés dans la mairie de Bujumbura. Mais comme on avait quand même fait les plaidoiries au niveau de l'ONPRA, monsieur le ministre avait quand même augmenté encore 2 jours. Le vendredi et samedi, on va encore continuer le processus. On va quand même arrêter la procédure samedi jusqu'à 15h30. C'est là où on va normalement clôturer. Ce travail de recensement des étrangers vivant sur le sol burundais se déroule au bureau de toutes les zones de la mairie de Bujumbura et au chef-lieu de toutes les provinces du pays. Merci Jean-Marie Mayonga. Ainsi se referme cette rétrospective de l'actualité qui a marqué la semaine écoulée. Encore une fois, joyeuse Pâques à tous les croyants. À la prochaine.